C'est samedi, bonjour. Alors pas de direct parce qu'on capte très mal. Je voulais dédicacer cet étalage à une personne qui m'inspire, j'ai pas honte de le dire, à une personne qui m'inspire pour faire mes étalages, essayer de m'améliorer quand je regarde les étalages d'il y a 3 ans et les étalages d'il y a maintenant. Je voudrais dédicacer cet étalage à Alexandre des Viviennes Noirmoutier. Est-ce que les Viviennes Noirmoutier, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle, les Viviennes Noirmoutier? Qui regarde Top Chef ici? Vous regardez Top Chef ou les fromagers? Tu regardes Top Chef? De temps en temps. Alors là, Top Chef, il y avait des poissons. J'ai pas la télé. Sur Top Chef, il y avait des poissons. Et les poissons, ils venaient des Viviennes Noirmoutier. Les Viviennes Noirmoutier qui passent à la télé. Alors, c'est pas pour dire, mais je connais très très bien personnellement, Alex des Viviennes Noirmoutier, qui est quand même un pilier dans le monde de la marée. J'aime beaucoup cet homme. Voilà, Anaïs, fais gaffe quand même que je te le pique pas. Voilà, donc c'est vraiment, il fait partie des gens qui m'inspire pour monter mes étalages. On essaye de faire de mieux en mieux, on essaye des choses. Ce matin, j'ai essayé un truc avec des paniers. Bon, bah alors ça, je suis pas ravi. Je trouve ça pas super. C'est à température, c'est frais, c'est tout, mais on voit trop la panière. Donc ça me plaît pas. Mais on va faire autre chose, on va faire autrement. Donc voilà, alors, les petits produits qu'il y a sympas ce matin. Donc, Rascasse, cherchez le nom, c'est pour ça que j'ai bugué. Cherchez le nom. Filet de julienne de ligne, du beaulieu jaune. Des seuls en veux-tu? En voilà, du dos de cabillaud, du saumon, des Saint-Pierre. On a fait dans le Saint-Pierre aujourd'hui, ça me faisait plaisir. La langoustine, on a un petit plateau de fruits de mer à faire, un peu de crevettes, du bulot. Des Saint-Jacques, un tout petit peu. Les huîtres, hein, nos fameuses, les médaillées. Voilà, notre coin fumé. Voilà, notre traiteur. Voilà. On a des quenelles aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous partage ça sur la chaîne YouTube, sur le Facebook, tout ça. Allez, bon courage à vous.